Bonjour, et voilà vos premières lunettes. Alors, vous ne savez pas du tout par où commencer, et ben, on va voir ça ensemble. Donc déjà, il faut savoir qu'une paire de lunettes, c'est un tout entre la monture et les verres. Vous réfléchissez certainement à la monture, c'est très bien, au look et tout. Il faut qu'il y ait une partie look, évidemment. C'est quand même une paire de lunettes présente sur le visage, c'est une image que l'on projette de soi. Et il faut aussi que cette monture vous soit confortable, confortable visuellement et confortable physiquement. Il ne faut pas qu'elle vous semble trop lourde, enfin, faut qu'elle soit adaptée à votre visage. Pour ça, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite. Je vous mets le lien à la fin de la vidéo. Hop, vous n'aurez qu'à cliquer dessus, ça sera tout simple. Donc maintenant, vous allez vous retrouver confronté au choix et d'un de l'opticien, de deux des verres. Parce que faut savoir que sur votre ordonnance, imaginez, on va faire un petit parallèle. Imaginez que votre médecin vous ait noté votre pointure de chaussure, que vous ayez envie de faire du sport, que ce soit la première fois. Vous rentrez dans un magasin de sport et vous cherchez une paire de baskets. Déjà, si le vendeur, et là nous l'opticien, ne vous pose pas certaines questions, c'est impossible que vous soyez confortable. C'est-à-dire, imaginez que vous réfléchissez avec la mutuelle et que vous ayez un budget, je ne sais pas, pour une paire de baskets de 50 ou 60 euros, hein, en imaginant que c'est la part mutuelle, qui est en général bien plus élevée sur des lunettes. Mais bon, vous arrivez, vous dites j'ai un budget de 50-60 euros, je voudrais me mettre au sport, etc. Hop, voilà votre pointure. Ah, vous allez voir, celle-ci, vous allez être super confortable. OK. Et si vous n'avez même pas demandé pour quel sport vous voulez faire, c'est impossible que vous soyez confortable. Si vous faites du running ou du basket, c'est pas les mêmes. Donc pour des lunettes, c'est pareil. Selon votre mode de vie, on va vous proposer, et pour ça on a besoin de vous poser certaines questions, selon votre mode de vie, on va donc vous proposer des verres adaptés qui vont vous donner un certain confort dans l'utilisation que vous recherchez et ce pourquoi vous êtes allé voir l'ophtalmo. C'est-à-dire la gêne que vous aviez visuellement sur tel type d'activité. Que ce soit du travail, du loisir ou presque toute la journée. Donc vraiment, faites attention, il y a différents types d'anti-reflets, il y a différents types d'amincissement, il y a différentes technologies même au niveau du verre qui ne vont pas vous donner le même confort, même si c'est la même puissance dans le verre, vous n'allez pas ressentir le même confort. Donc vraiment, il va falloir cibler vos attentes pour que vous soyez le plus confortable possible. Et puis ensuite, eh bien, écoutez, l'opticien vous fait un devis, c'est obligatoire. De telle manière à ce que vous puissiez savoir où vous allez et éventuellement demander à la mutuelle la prise en charge là-dessus. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt chez Atolaïstre.